Salut tout le monde, bonsoir à tous, re pour ceux qui étaient sur le Lord of the Rings. J'avais hâte de continuer mon petit run avec Dolamrotte, hein. Bon, c'est pas les gobelins quoi, mais c'est quand même fun aussi, hein. Bon, on va retourner une game, ne perdons pas de temps. On avait fait une bonne session dernière, on avait rattrapé une situation difficile, on avait pris Kerandros. Ce qui fait que le Gondor avait pu sortir des stacks qu'il n'avait pas perdu. Je crois que le Gondor fait le siège d'Osgiliath Est. On est à l'attaque, on fait de l'argent, on est bien. Mais je crois que le reste de la terre du milieu se casse la gueule. C'est un problème. C'est un gros problème, on va devoir compter sur notre giga-alliance de Chad du Sud. Gondor, Dol Amroth, Variag. Donc ouais, on a pris Kerandros et regardez les stacks du Gondor. Vous savez que ça fait plaisir ça. Quand vous êtes joueur et que vous voyez autant d'armées du Gondor, avec les généraux et il y a de la viande et tout, ça fait plaisir. Sachant qu'on sait que dans deux tours, peut-être que si Osgiliath tombe, après potentiellement le Gondor peut déverser ses troupes. Et ça c'est cool. Ouais, ça s'écroule au nord, mais nous ça va bien. On a vraiment bien travaillé, on a sauvé le merdier. Et là, oh, il y a une sacrée flotte. Oh, avec un amiral. Oh là là, faire tomber cette flotte va être compliqué. Mais à Gobelmirlonde, on tient bien. On a repoussé des grosses armées. Oh, la poutrelle de cheval. Merci pour le somme, mec. 9 ou 10 mois, putain. Ce pseudo tout droit sorti de l'enfer qui spamme mes émotes. Donc là, on est allé passer à l'offensive pour aller attaquer potentiellement Imlath Carden et le donner au Variag. Là, les Variag occupent ça. Et là, je suis en train de préparer une petite armée. Ça va être l'armée qui va potentiellement aller prendre Umbar. Il est temps d'aller prendre la perle du sud et de pousser et de nous débarrasser potentiellement d'Umbar. Ça va être la session de l'offensive. C'est parti. En plus, on fait beaucoup d'argent. Je vais pas montrer, mais je fais, je crois, 13 000 d'income, quelque chose comme ça. Il y a de la recherche dans le pseudo. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a de la recherche, ouais. Putain. La poutrelle de cheval. T'es occupé de la poutrelle de Bamako ou la poutre de Bamako. Une petite allusion sexuelle. Voilà. Minou de pépé. Putain, minou de pépé. J'ai monocle de pépé. Minou de pépé. La toxicité de mon chat est quand même pas mal, hein. Mais bon, ça fait partie du charme. Est-ce que le Gondor a le droit de passage? Mais normalement, oui, mais il ne... Des fois, j'ai l'impression que le droit de passage, il est un peu bugué. Je vais retester ça avec mon diplomate. Foutre de pépé, ça va! Show yourselves. Ça va! Oh, je suis assiégé à Fan Gobel, mec, qu'ils viennent. Je vais l'éclater, hein. Je vais l'éclater à Fan Gobel. Qu'ils viennent, hein. Ouh, la vache! Sacrée armée à Gobelmirlonde, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai des sacrées armées aussi. Oh là là, il va embarquer son armée. Putain, mais le spam de Hardunheim, c'est indécent. Les Nazgûl... Oh, hey, un Nazgûl qui se fait péter la gueule. Le leader de Dale est mort, non! Oh là là, Dale est tombé. Dale est tombé, c'est la catastrophe. Ici, je suis sous siège. Putain, et le faction leader qui est là? Ça va, les chefs de faction qui viennent s'empaler? Et là, pareil, je suis attaqué. Bon, là, ça va tenir. Et là je l'attends. Hein. Là, j'ai une armée. J'ai une armée. On va bien rigoler. Hein. Aucune chance qu'il fasse quoi que ce soit. Regardez un peu ce que j'ai en def. Je l'attends. Et en plus, j'ai les murs et toute la ville. Donc là, c'est bien parce que pendant que je fais le gros dos, je suis en train de mettre sur pied... je suis en train de mettre sur pied des troupes. Hein. Voilà, ici on construit des bâtiments, on commence à recompléter, on met des armures. Gobeltofalas, on va mettre des bâtiments qui vont bien. Oh là là, le military dockyard. Ok, il est un petit peu cher. On va augmenter la pop plutôt. Et là j'ai une flotte de prête. Et on va penser à embarquer. On va penser à embarquer l'armée. Est-ce que ça passe? Oh putain, allez, je crois que j'y vais. Hein. Messieurs, l'armée d'Umbar
Ok, on pourra faire mieux. Et on va aller recruter quelques troupes sur le chemin. Éventuellement quelques piquiers. Voilà. 5 unités. Normalement c'est ce qui me manque. 1, 2, 3, 4. Parfait. Tour d'après, direction Umbar. Ça va me faire plaisir d'aller à Umbar. Allez à Umbar. On en rêve depuis longtemps. Hein. Edeland, 4000 de thunes. On va investir. On va leur mettre un bain public. Voilà. Et on va. Bah là, on va être, sûrement être attaqué. Mes flottes. Je vais aller recompléter quelques bateaux. Ah putain, mais non, mais je peux pas ici recompléter mes flottes. Bon, c'est pas. On va aller à. Dans la brotte. Et ici. Oh, je peux pas attaquer cette flotte, regardez. Bon, c'est pas grave. On va aller escorter ma flotte principale. Sachant que là j'ai un espion à Umbar, il y a une sacrée armée à Umbar. Putain mais... Oh les Royal Knights, mais regardez-les. Putain, il sort des unités de zinzin, il sort ses super T3 avec généraux et compagnie. C'est compliqué hein. Mais c'est compliqué mais on gère. On gère, on fait de l'argent. Et là je vais bientôt avoir mon armée qui va être prête pour aller... Eh, peut-être que le... Eh! Est-ce que c'est pas le Variag? Ce giga chat! Oh putain, regardez, c'est l'armée avec les nains, la cavalerie lourde. Il y a un monde où ça passe, hein. Il y a quoi en def? Ah non, il y a un général. Oh non, mais l'héritier de faction, ça passera pas. Pas avec un général avec de l'étoile comme ça. Ça passera pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, le Variag met la pression, c'est une bonne nouvelle. Ah, mon diplomate. Ah ouais, non, mais on a eu... Dolamrotte, on en a chié avec Dolamrotte, hein. On n'est pas passé loin du désastre à plusieurs reprises, hein. Et à chaque fois... à chaque fois, on est... Heureusement, l'économie. Dolamrotte, si vous arrivez à avoir un semblant d'économie, ça steamroll très rapidement si vous avez l'argent. Mais il faut avoir l'argent, en fait. Et c'est dur, hein, parce que vous affrontez le Harad, possiblement les Variag, Ardunem. Ardunem sort des flottes de dingue. Et Ardunem sur mer, bah, vous avez vu que ça rigole pas, hein, avec leurs Black Ships. Ah, c'est compliqué. Salut Didi. Donc ouais, on serre les fesses. Et on va passer à l'offensive. Il peut pas être partout à la fois, Ardunem, qui vient de se battre. Je suis en défense de derrière des hauts murs. Et je préfère affronter le Ardunem avec ses armées derrière mes murs que en terrain ouvert. Parce que j'ai peur qu'en terrain ouvert, il me fasse possiblement très très mal. C'est parti. Attends, mais c'est qui lui? Ah ouais, Jada, Jabba, général, full étoile, ok. Alors, pour l'instant, le Enedway est en paix avec le Gondor. Ce qui fait mes affaires, prise de Umbar à cette session, je vais essayer. Je vais essayer enfin d'aller prendre Umbar. Là, je m'étais focalisé sur le Harad pour l'affaiblir, pour aider les Variag, ce qu'on a fait. Maintenant, je vais pouvoir porter mon attention sur le merdier. Oh, j'ai une cavalerie, là. Regardez, c'est la première fois qu'on les sort, ceux-là. Les Seawards, les lanciers, la cavalerie. Elle est magnifique. Si j'arrive à la placer. Allez. Au pire, je vais la sortir ici, direct. Hein. Ouais, on va faire ça. Bon. Voilà. Oh, j'ai triple... Qu'est-ce qu'on va leur mettre? J'ai peur que ça se passe très très mal pour lui. Hein. J'ai peur que ça se passe très 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 mal pour lui. Hein. Vu l'armée que j'amène sur le terrain. Hop, bon. Infanterie lourde. Enfin, infanterie lourde. Infanterie moyenne. C'est bizarre que... Comment il est placé Comme ça. Là, les archers, on va se régaler. Une unité ici pour bloquer l'accès. Marine, il va rester là-bas. Toi, tu vas venir là sur le mur. En def. Et j'ai pas besoin de plus que ça. Comme je vous dis, c'est... J'ai pas trop peur de lui. Hein. J'ai quand même une belle armée. Après, il y a deux armées quand même. Hein. Il y a deux armées, mais je m'en fous. On va lui buter la gueule.
Bon, on va mettre l'armée en place. Oh, oh les balistes! Au secours! Plutôt indécent. Hop, 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 hop. Allez, arrache-toi. C'est quoi ça? Non, on va éviter les piquets moyens. Et on se casse. Et on va aussi éviter les chameaux. Ok, là c'est bien. Et là je me tire. Je me tire. Le but ça va être de pas faire prisonnier. On va éviter les chameaux. Là, l'infanterie, on se place bien. Let's go. Ah non mais placer des putains de troupes ici, c'est l'enfer. Mais ça, quand on voit comment c'était facile dans Medieval 1, on a régressé dans Medieval 2. Voilà, bon, on a quand même une belle def. Ici, on va l'accueillir. J'ai ma cave qui s'est barrée. J'ai plus fait que perdre, mais c'est pas grave. Allez. Ah, le but, c'est faire des kills faciles. Il a absolument aucune chance. Enfin, je dis ça, aucune chance, faut pas que je me loupe après. Hein. C'est turban melon et ma bouche dans le cuir. Ouais, c'est très turban melon et ma bouche de cuir. Hein. Le harad, ça, c'est quand même. Ça sent les épices. Hein. Ouh. Oh, l'échec qui est tombé. Allez, chope-le. Bon, par contre, les mecs vont pas se rendre. Il hein. y a un général full étoile. Ils ont plus peur du général que de moi. Attends, mais j'ai oublié une unité. Oh, le con, j'ai oublié une unité. On va aller là-bas. On va activer les tours. Oh le con, wesh. Ça, c'est tout moi. Oublier les unités comme ça. Bon, là on les découpe. Hein. Ça, c'est fort sur le champ de bataille, mais là, ils arrivent au compte-gouttes. Et là-bas, ça sort. Non, ça sort pas encore. Et la tour est à 79%. Elle va tomber, la tour. Oh, en plus, c'est des trollmen. Ah non, c'est des trollmen hunter, ok. 85%. Allez. Il faut les découper, là. 20%. Chaque Total War, faire un truc qu'on va avant, c'est un des gros problèmes. Hein. C'est un médiocre plus plus. Ouais, Pharaoh est un médiocre plus plus. Tu l'as dit très bien. Je pense que c'est pas un mauvais jeu. Oh là là, la tour. Oh, belle unité. Hein. Pharaoh n'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un bon jeu non plus. Il est médiocre. Et moi, j'ai pas envie de jouer à des jeux médiocres quand t'as. En plus, un jeu médiocre qui coûtait quand même plein tarif, si on se rappelle, à la vente au début. Donc ouais, quand j'ai Medieval 2 avec Divide and Conquer, des milliers d'heures dessus, je continue de m'éclater. Pourquoi j'irais foutre 70€ dans un jeu, quoi. Dans un jeu qui me fait pas envie. Alors qu'il y a tellement de bons jeux indépendants dans lesquels mettre son argent. Mais allez mettre votre argent dans Helldiver, quoi. T'as essayé Pharaoh? Mais non, mais j'ai pas envie d'essayer. Et l'avantage en 2023, c'est que t'as plein de gens qui streament les jeux. Tu vois? T'as pas besoin d'aller. Tu sais, tu vas voir quelques streams. Et c'est comme si tu jouais. Bah, je peux te dire que j'ai regardé quelques streams, je me suis fait mon avis. Et j'ai absolument pas envie d'y jouer. Normalement, quand tu regardes des streamers, ça va te. Si le jeu est bon, ça va te donner envie de jouer. Tu vois, si un jeu est bon. Bah, moi là, j'avais pas envie de jouer. Plus je regardais, moins j'avais envie de jouer. Ça en dit long. Oh putain, y a son général qui est là. Tu vas pas me visser les piques à gauche? Mais si. Tu me prends pour qui, hé hey? Tu me prends pour qui? Quand même. Stream de Suji, entre autres, ouais. J'ai regardé des streams de Suji, il y avait aussi y a d'autres streamers. Il y avait Resus qui avait streamé dessus aussi. Bizarrement, on les voit plus beaucoup sur Pharaoh, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça pique, ça pique, ça pique. Allez, on est en train de les croquer. Je vais ramener ma cavalerie. Et on va venir tranquillement derrière. Ici, c'est repoussé. Facile, hein. Là, je vais aller donner un petit coup de main. Allez, c'est parti. Bon, regardez la viande! On a pris que 4% de perte, on est en train de les croquer. Dragon Dogma au secours. Dragon Dogma. Oh là là, lui, hey!
Jada est déjà tombé. Ça va fuir, ça fuit. Ça fuit déjà. Allez, on attaque. On attaque. Il y a du prisonnier à faire. Et ma cavalerie qui est pas là. Dragon Dogma, j'ai vu la monétisation, c'est une honte. Et je comprends pas comment les gens achètent des jeux. Enfin, t'achètes un jeu plein tarif à 70€ et il est rempli de monétisation abusive. Genre, t'achètes ton jeu, mais il est pas complet. Le jeu est en kit. Je comprends pas comment les joueurs tolèrent ça, en fait. Je ne comprends pas. Moi, mon dernier Total War que j'ai acheté, c'était Attila en promo à 5€. Et avant ça, c'était Rome 2. Rome 2, je m'étais fait avoir, je dis plus jamais. Donc depuis, j'ai plus acheté un Total War. Ah bah ouais, hein. Hey. Fool me once, shame on me. Shame on you, pardon. Fool me twice, shame on me. Tu te fais avoir une fois, ok. Mais pas deux. Bon, il y a le reste de l'armée qui arrive. On va les accueillir comme il se doit. On va même les laisser rentrer. Hein. Et toute l'armée en fuite. Toute leur armée pourrie est en fuite. J'ai pas envie de trop sortir et m'exposer. On va aller choper les trollmen qui valent cher. De toute façon là, on récupère rien du tout moins. Ouais, j'ai jamais joué au Dragon Dogma. Et quand je vois la gueule du 2, ça me donne encore moins envie d'y jouer pour supporter la compagnie, tu vois. Ils font pas de prisonniers, t'inquiète, t'inquiète pas. T'inquiète pas, là le but c'est juste de manger les stacks. Donc, tu fais quoi là toi? C'est la fête ou quoi? Non mais hey, ma cavalerie qui arrive pas à manger une poignée de débiles. Bon, regardez ce qui arrive. Il y a de la racaille. Y'a pas plus toi sous les murs. Non mais mes mecs ils sont buggés. Mais putain, hey. Le pathfinding. Le pathfinding de Medieval 2. Je suis fatigué, hein. Je suis parfois fatigué, je le cache pas. Tu es obligé de supprimer ta sauvegarde manuellement. Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Mais putain, on est en 2000. Le gaming. Modern gaming, comme on dit pour se moquer. Modern gaming, quel abus. Hein. Ça devait. Putain, mais il y a. Il y a des gens qui achètent ces merdes, hein, c'est ça le truc. Hein. Faudrait qu'il y a des gens, ils aiment ça. Ils en redemandent. Ça, c'est un jeu pas fini. Moi, j'appelle ça de l'arnaque, mais. Oh. Allez, le capitaine. Oh là là, ça va faire la gueule déjà, ça. On se régale, hein. On se régale. Je crois que le général devait être dans cette unité d'archer serpent. Vous savez que j'ai pris quasiment aucune perte dans la bataille. Hein. On se débarrasse de deux belles armées sans perte. Et là, on va tranquillement aller rôder sur leurs arrières et attendre. Hein. On est au milieu de... Non, alors je suis désolé, mais en 99, les jeux étaient mieux. Hein. Je suis bugué. En 99, t'avais pas de monétisation prédatrice comme ça, hein. Le gaming en 99, c'était mieux, hein. En 99, on avait César 3, les gars. Et après ça, on a eu Starcraft 1. On a eu Warcraft 2, Warcraft 3. C'était l'âge d'or du gaming, hein. Oh, il fuit à 120. Il fuit à 120, les mecs. Oh, oh le cadeau. Oh, le cadeau. Je vais choper ça sur la retraite. On va se régaler, hein. Allez, ça c'est pour moi. Ça c'est pour Bibi. Allez, venez vous empaler, les losers. Voilà. Allez, ça fuit. Voilà. Oh, il s'est reformé, c'est une blague. Il s'est reformé. Oh, mais non. J'ai jeté ma cavalerie dans l'anticave. Allez. On va faire fuir tout ça, tranquille. Mais oui, l'époque où il n'y avait pas de microtransactions, où vous aviez une expansion. Genre, vous aviez une expansion et c'est tout.
pour Warcraft 2, vous aviez Beyond the Dark Portal. Warcraft 3, vous aviez Frozen Throne. Starcraft 2, alors il y a eu plusieurs extensions sur Starcraft 2, mais Starcraft 1, il y avait eu Brood War. Quelle époque formidable. Et ils continuent de se reformer, ces connards là. À quand des games de NTWA3? Le jeu est trop instable. J'aimerais beaucoup faire des games de NTW3, mais le jeu est instable. Napoléon 3 n'est pas un jeu stable. Ne l'a jamais été. Et malheureusement, c'est juste que quand t'as 8 joueurs, j'ai rarement vu des games que de 4v4 se terminer, tu vois. Turok classique. Bien sûr que j'ai fait Turok, c'est ma génération, moi, la Nintendo 64. La Nintendo 64, mec. GoldenEye. Mario Kart. Les soirées chez les copains. Ça, c'était pas de réseaux sociaux, rien. Tu sais, quand on vous dit que c'était mieux avant, je peux vous dire que c'était mieux avant. Hein? Continue la bataille, on va essayer de choper les retardataires. Pas de Twitter, pas de Facebook, il n'y avait pas toutes ces merdes. C'était génial. Allez hop, on nettoie tout ça. On nettoie la racaille. Allez. 380 prisonniers, on va rien lâcher. Rien du tout. Voilà. Allez hop, 400. Ouais, Medal of Honor, bien sûr. Ah, on est vraiment des boomers, les gars. Tellement un boomer que là, je vais me lever à 3h45 du mat pour aller voir le Grand Prix de Formule 1 de Melbourne. Hein. Voilà. GoldenEye 64 à 4 sur une petite télé. Un Perfect Dark. Perfect Dark, il y avait les maps de GoldenEye dedans. Perfect Dark était incroyable avec 64 bots. Benoist, je vois que tu as des très bonnes références. C'était incroyable, Perfect Dark. On jouait avec des potes, mais c'était génial, quoi. J'ai perdu que 85 mecs, j'ai honte, hein. J'ai honte de ce qu'on leur a mis, hein. Et on leur a pris un général full étoile, hein. Et le PC Windows 95. Oh là là, tu sais que j'ai commencé sur Windows 3, hein, moi. J'étais en MS-DOS, mec. Mes premiers jeux, quand j'étais haut comme 3 pommes, GPEGA, Stunts, c'était ça tenait sur une disquette, Dune 2, 4 disquettes, Doom 2, 6 disquettes. Ah là là, la belle époque. Ah oui, les télés qui faisaient 1 mètre dans la profondeur. Pas d'écran plat, allez, on exécute. Hein. Hop, afuera. On fait le ménage. Hein. Et les premiers Call of Duty étaient d'excellents jeux. Hein. Call of Duty, c'est devenu de la merde, mais je peux vous dire que Call of Duty, à une époque, a fait des excellents jeux. Quand vous jouez à Final Towers et que vous traversiez la Volga dans le brouillard, avec le poème de Elia Ehrenburg derrière, mais c'était de la folie, quoi. Putain, Ardunheim, ok, qui m'attaque pas. Osgiliath sous attaque, attends, mais c'est une blague. Ils ont pas réussi à faire le siège d'Osgiliath, ils se sont fait contre-attaquer, ces espèces de blaireaux. Et c'est eux qui sont sous siège maintenant, mais au secours. Au secours. Bon. Moi, il faut que j'aille voir les Variags. Alors, j'ai de l'argent, mais pas trop quand même. Métraste. On va installer. Une école, non. Oh, 5000 de thunes. Bon, attendez. Mon armée. Hop. Oh, le scare jump! Pomme mystique! Merci pour tes bits, Pomme mystique! J'espère que tu peux te permettre de lâcher des thunes, hein! Merci beaucoup! Oh, le scare jump que j'ai eu depuis que j'ai plus le. Depuis que j'ai plus le délai, putain, je me refais avoir! Ah, c'est moi qui te remercie! Et bonne soirée à toi aussi! Hop là! Bon, là, je vais préparer le terrain. Je vais escorter mon armée. Nous partons direction Umbar! Let's go! Là, je vais réparer ma flotte. Voilà. C'est parti. Ah, mais j'avais pas vu que j'avais toutes ces troupes ici. Oh, fuck. Bon, c'est pas grave. Ça sera une deuxième vague. Où est la flotte d'Umbar? Elle est là. Oh, ouais, la flotte d'Umbar, elle est là-bas. Et elle a déjà cru des pertes, la flotte d'Umbar. En soi, elle est prenable, hein, la flotte d'Umbar. Hein. Oh, Arminius! Ça donne quoi? On a eu des hauts et des bas. Le reste de la Terre du Milieu est en train de s'effondrer. Et nous, on a sauvé le Gondor. Le Gondor avait perdu Minas Tirith. On est allé reprendre Minas Tirith. On l'a redonné au Gondor. On a bétonné Kerandros. Et maté les armures en or que je récupère à Kerandros. Oh,
D'ailleurs, Kerandros, il faut que je fasse des... il faut que je mette des bâtiments là, parce que la culture, c'est pas trop ça. Voilà. C'est parti. Et... militairement, on en est où? Moi, je pense que je peux passer à l'attaque. Hein. À Kerandros. Je vais laisser mon gouverneur derrière. Je vais aller récupérer des troupes à Estella. Et je vais aller attaquer Imlad Karnen. Et on va le rendre après. On va le rendre... une annonce de somme avec Mélenchon. Non, non, déjà j'ai une émo de Mélenchon. Faut pas trop lui donner d'importance à ce machin là. Faut pas exagérer. D'ailleurs là, communal farming. Et ici, bah j'ai une énorme armée. Oh là 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 là. Ça va bastonner à Gobelmirlond au tour d'après. Hein. Et c'est pas grave. Parce que je suis en chemin. Je suis en chemin pour Umbar. Avec une sacrée armée. Et en plus, j'aurai des renforts qui pourront arriver dans la foulée. Tour suivant. On se croirait chez les bolcheviks. Ah, mon émote avec le flingue, génial. Je l'adore celle-là aussi. Hein. Poum poum. Même si Gérard Larcher, mon émote Larcher, je pense que c'est la meilleure. Après, c'est mes goûts. Hein. Mais l'émote Larcher, elle est incroyable. Elle vaut son litre de pastis. Hein. Bon, le Gondor, toujours plus de troupes. Voilà, plus de troupes. Oh, regardez ce qu'il y a à Osgiliath. Le spam de démo de Gérard, en secours. Il va falloir que je mette des règles bientôt pour que vous arrêtiez de spammer dans mon chat. Hein. Ouh, regardez Kerandros qui vient me rejoindre. Par contre, il n'y a pas de Nazgûl ni rien. On va les exploser. Hein. On va les exploser, hein, le dictateur. Mais bien sûr. Bien sûr, tu crois quoi? Tu crois que c'est une démocratie, mon chat, ou quoi? La loi, c'est moi! Surtout avec ton pseudo Minou de Pépé. La mitraille pour la racaille dans ton genre, Minou de Pépé. Pas de pitié. Tiens donc! Tiens donc! La poutrelle de cheval, là. Mon automate, t'as mis le grappin dessus. À Kerandros, ça va être une grosse sodomie. Ah bah ça a été bloqué par mon automode, le terme sodomie n'est pas autorisé. La loi c'est moi et l'ordre, ouais, pas besoin de mettre des caps, hein, on connaît Judge Red. Un classique. Alors moi je vous parle du vrai, hein, de celui avec Stallone. Hein. Celui avec Stallone avec sa bouche déformée. Il y a du bon jus en gros, putain Arlenus, je viens de la comprendre. Elle est pas mal, Arlenus. Bon, attendez, il y a une sacrée armée qui m'attaque là. Faut pas faire de la merde. Il y a le chef de faction. Il y a le chef de faction qui est là. On va faire sortir toute la cavalerie. Et je peux vous dire, on a Imaril. On a son mignon Fistion qui est là aussi. Fistion, hein. Eh, Fistion qui est là depuis le début du run. Hein. Je me fous de sa gueule à Fistion, mais il est là depuis le début. Hein. Il a tout vu et tout fait, Fistion. Hein. Ah putain, j'arrive pas à placer les troupes. La cave, c'est l'enfer. Voilà. Bon. Oh merde, j'ai une unité en trop. C'est fort dommage ça. C'est fort dommage que j'ai une unité en trop. Bon, on va mettre les... pour les accueillir là-haut, sur les murs. Comme ça. J'ai des excellents archers. On va garder en réserve. Hop, allez. Obéis-moi s'il te plaît. Merci. Voilà, là on a une tour qui arrivera. Oh là là, est-ce que je vais avoir assez d'infanterie? Oui, 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 je vais avoir assez d'infanterie. Là, les archers comme ça pour faire un petit tir au-dessus. Là, mon infanterie, mes épéistes sur les murs. Il va attaquer très très fort. Il va attaquer très très fort. Et j'ai pas tant que ça. J'ai pas de... Putain, ouais, j'ai... Au niveau de défense... J'ai pas de... Ouais, j'ai une toute petite phalange. Ça va être compliqué de défendre.
va être compliqué de défendre. Comme ça. Oh là 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 là, mais j'ai rien pour défendre. J'ai rien pour défendre, putain. Comme ça. Là, on va mettre de l'infanterie. J'aurai aussi... Hop. Voilà. C'est pas mal. J'ai un paquet de javeliniers qu'on va garder en réserve pour s'abattre par-dessus. Ça marche toujours, hein. Les javeliniers, moi, je les adore. Tous ces hommes virils, là, avec leur longue lance. Ah, putain, allez! Voilà, allez! Voilà. Cessez le feu, cessez le feu. Cessez le feu. Cessez le feu. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. C'est parti. Voilà. Allez. J'ai très très peur, hein. Parce qu'il y a quand même une sacrée armée en face. Oh, il fait monter de l'anti-armure, il fait monter les Arondor Mercenaries. Il a levé du Mercos, ce bâtard. Éventuellement, je pourrais faire un tir de couverture ici, contre les Arondor. Là, je vais plutôt me mettre comme ça. Je sais pas si... C'est une sacrée armée qui m'attaque, hein. Et je suis un petit peu cuit. Ma cave va être décisive. Ma cave va être décisive pour les attaquer dans le dos, hein. Il en a plein le cul, et doucement Arlenus quand même. Je sais même pas comment mon automode ne t'a pas bloqué. Faut voir que j'ai une discussion avec mon automode. Hop. Ok, ça arrive, hein. Ça arrive, y'a du monde. Voilà. Double échelle, tour. Par contre ça, 45% de dégâts. 56%, les tours font la gueule, hein. Les tours font la gueule. Qu'elle a l'anti-armure. Bon, après, c'est des super garnisons du Gondor que j'ai, hein. XP, armure, attaque. On va leur faire très, très, très mal. Oh, l'échelle qui tombe! Quel régal! Oh merde. Ça, j'avais pas vu qu'il allait. Je crois qu'il va venir se mettre là. 77% de dégâts. 68. Allez, 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 ça va tomber, ça. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Avec sa tour de merde. Ok, il va là. Allez, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Là, ça monte. Oh, c'est l'élite, là. Là, c'est... Oh là là. Ah non, non, c'est du footman. Ok. C'est les albardiers. Là, je suis pas en place. Par contre, là, j'aurais peut-être dû amener plus de troupes. Oh, bah attends, j'avais pas vu que j'avais des troupes, là. Putain, j'ai oublié des troupes. Je suis vraiment en âne batté, hein. Alors que Fion, ça passe pas. Eh ben non. Eh ben non, la poutrelle de cheval. Fion, ça ne passe pas. C'est pour ça que les gens ne voient pas ton message, Tahuri. L'armée est prête, c'est parti. Arlenus, tu voulais voir Fistion, t'avais l'air très intéressé par Fistion, je ne suis pas surpris. Je vais te montrer de quoi Fistion est capable. Allez Fistion, ne me déçois pas. Charge-moi toute cette racaille du corsaire. On va venir là, c'est quoi ça? Oh là là. Les archers. Allez! On a détruit une tour. La tour là-bas, magnifique. Magnifique. Ça me libère la avant-garde. Et là, la tour, elle est à 88%. Ça va se casser la gueule. Allez, on va charger les archers. Fistion est en train de faire le ménage, là. Et là, on pousse. Oh, c'est de la light infanterie. Allez, on charge dans le tas. Voilà, allez. Allez, Fistion. J'avoue qu'avoir de la cave lourde avec Dol Amroth, les dégâts que vous faites, c'est indécent. Allez, on évacue. Et là, on va continuer à charger. Oh, mais attendez, c'est la Naru, c'est le général qui est là. Oh, bah le général, on va aller s'en occuper, hein. Oh là là, la masse de viande qui arrive. La quantité de viande. Oh, et la tour qui est pas tombée à 97%, allez. Fistion touche-t-il les bords? Putain, mais oh. Ça va, non? Mets-toi de ton fion, justement.
Les gens qui sont excités par la vie de fiston, c'est quand même un peu inquiétant. Hein. Oh non, 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 non. J'avais pas vu que là. L'autre là. C'est quoi cette charge de merde? Ok, c'est monté. C'est du corsaire qui est là en premier. Le corsaire, c'est pas trop une menace. Par contre, j'ai oublié de mettre en place mes javeliniers. Oh là 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 là, mais ça monte là très très fort. Pardon. Ah, le problème, c'est que ces putains de troupes là. Allez, pas les albardiers. Attaque les archers. Allez, fistions à l'attaque. Si on s'est fait casser la gueule. Ces troupes sont totalement dispersées. C'est l'enfer pour faire des charges décentes. Oh, il y a tout qui charge dans le tas là. Oh là 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 là. Allez, ici la tour est tombée. On va amener les renforts. Ici pareil. Ah ouais, il est carrément passé en mode YOLO. Attendez. Oh mais on a eu leur chef de faction. On s'est déjà farci le chef de faction. Ça peut peut-être tomber très vite tout ça. Si le chef de faction est déjà tombé Ah oui, il y a peut-être un autre général là. Parce que là, si c'est le chef de faction, on va faire le forcing, hein. Non mais t'es sérieux là, j'arrive pas à tirer dessus. Oh, ça fuit, ça commence à fuir. C'est le sauve-kit de général. Ma télé perte. Oh là 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 là, on va se régaler. On va se régaler. Là, il y a tous ceux qui sortent, et là, il y a tous ceux qui veulent rentrer. On va pousser. Les prisonniers. Oh, les prisonniers. On va se régaler. Roberto, c'est pas le mec dans Olivier Tom là qui baise la mère de Hatton pendant que le père est en bateau là. Et qu'à chaque fois, il est perdu en mer. Ça doit être ça, hein. Les rêves de boomer. Ah, ça, ceux qui auront la ref là, c'est des champions. Oh, y'a tout qui fuit, les unités à 100. Oh là là. Y'a tout qui fuit. La grosse ref, ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais. Hein. Oh, les prisonniers. Oh, regardez les prisonniers. On se régale. Laissez-nous sortir. Laissez-nous rentrer. Allez, fistion. Oh, les archers à Radrim. Eh, ils sont tous en train de rentrer. C'est la panique. Quel régal. Allez. 700 prisonniers. Allez, chopez-moi tout ça. Au niveau des pertes, j'ai même pas dû prendre de pertes. J'ai pris 13% de pertes, c'est plus qu'acceptable pour une aussi grosse bataille. J'ai pas trop envie de risquer Imaril, bêtement. Je vais laisser ma cavalerie faire le taf, ma cavalerie légère. Là, je peux envoyer mes lourds. Voilà. La new team. Le match de poussin avec des stades remplis avec 20 000 personnes dedans. C'était génial. Non, sans décoller, Olivier Tom, c'était génial. La mort par le Chichi, non mais ça va Ah bah c'est Fistion qui va se charger de toute l'armée, hein. On va envoyer les 1050 prisonniers à Fistion. Et on vient de buter le chef de faction, hein. Pas mal, hein. Et c'est Fistion qui va faire l'interrogatoire personnel de chaque mec. On débranche les caméras, clac clac. Et il y a Fistion qui arrive là avec un peignoir ouvert à la Harvey Weinstein, vous savez. Salut! Alors, c'était comment de bosser pour le Harad? Ah ouais, intéressant. Vous voulez un petit rafraîchissement? Vous
écouter si c'est efficace. Voilà. Allez, mais chope-le. Voilà. Excusez ma tenue, hein. Je sors de combat, je n'ai pas eu le temps de me rafraîchir. Oh putain, je visionne la scène, c'est terrible. Hein. Les torsionnaires les plus polis, c'est les plus dangereux. Hein. Si le mec il vous propose à boire avant de vous enculer, vous savez que là vous êtes dans la merde. Hein. Ah ouais, DSK. Hein. DSK, le complot. Vous imaginez, on aurait eu DSK en président. Les partous à l'Elysée. Hein, les partous à l'Elysée et tout ça. Ça aurait été quelque chose, hein. On avait déjà eu Giscard qui était chaud, qui était un chaud lapin, mais là. Ouf. Bon, on va aller se débarrasser de ces dernières unités là. 1175 prisonniers, c'est une grande victoire. Hein. Perte limitée, c'est pas mal. Hein. Tout ça, ça prépare le terrain pour l'invasion d'Umbar. On va le forcer à envoyer des troupes vers le nord. Très propre. Un médiéval de remaster, bien sûr. Mais bien sûr qu'ils vont faire un médiéval de remaster pour faire de l'argent facile. Et les couillons vont acheter, comme ils ont acheté Rome 1 remastered. Les remastered, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent facile en jouant sur la nostalgie des joueurs. C'est pour ça qu'ils en font tous. Alors après, il y a le bon remastered et le mauvais remastered. Mais ça vaut pas l'argent que c'est. Donc oui, tu vas avoir un Medieval 2 remastered. Sans aucun doute. Ah oui, Flamby! Flamby en scooter quand il allait sauter la gaillée! Avec les croissants au petit matin! Putain, c'était incroyable ça. Allez! L'armée d'Ardunen qui dégage. Eh, on aime quand même la politique hein, pour ce genre de débile. Oh, il a l'argent. Allez, le leader d'Ardunen est mort. La Moria sous siège. Information diplomatique, Ardunen et Edwais. Eh, Ardunen est en guerre contre Edwais. Ça, c'est intéressant parce que Edwais était un très très gros client. Bon. C'est parti. Est-ce que je débarquerai pas ici? Non, je vais débarquer directement. Je vais faire le point. Eh, il y a des armées du Gondor. Le Gondor est en train de faire le siège là de. Oh là là, mais les armées qu'il y a au bas, au secours. Après, il y a du corsaire et tout ça. C'est pas une armée tant que ça, Elite Pump, s'il y a quelques belles unités. Ici, il est temps que j'embarque mon armée. Ça va être mon armée de renforce. Hein. Voilà. Et on va se préparer à aller attaquer cette flotte là. Cette flotte, j'ai très envie de lui tomber dessus. Voilà, je peux pas l'attaquer là, mais ça viendra. Et je vais dépenser mon argent. On va recompléter les pertes. Voilà. Je vais prendre là mes javeliniers. Et on va aller les recompléter à Bad Arn. Et je vais préparer sûrement une opération pour aller prendre Khaldun aussi. On va faire une superbe attaque combinée Umbar-Khaldun. Hein. Ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Sachant que là, on prépare aussi une attaque en direction du nord. Nous sommes sur le sentier de la guerre. Je vais récupérer mes bonnes unités. Mes très très bonnes unités sur 77. Voilà. J'ai quoi là, 105. En fait, je vais prendre ceux où j'ai pris le moins de pertes. Hein. Voilà. Et ça, direction Imlad Karn. On va compenser les pertes à Fan Gobel aussi. Continuer à compléter ce qui a été perdu. Magnifique. Et on va construire des bâtiments. On va construire entre autres. La culture c'est bon. La culture c'est parfait. Ouh la warehouse. Il me faut de l'argent. L'argent roi. Hein. Casse-toi pauvre con. Ouais. Griveaux. Ah non mais vous savez que j'étais allé voir par curiosité personnelle. Hein. J'étais allé voir. Griveaux était sur Pornhub. Bah je peux vous dire que le Griveaux il est monté comme un petit poney hein. Tu m'étonnes qu'il mettait sa bite le Griveaux sur internet. Si j'étais monté comme lui, je mettrais aussi ma queue hein. Alors moi sur Twitter je lui avais dit, il y avait Griveaux, des fois il est sur Twitter, j'ai dit bah écoute, je lui avais envoyé un petit message, écoute Benjamin, moi je te monétise ton contenu quoi, tu vois. Bah il était allé voir, bah quoi, un peu de curiosité en Argelanor, il faut pas mourir con. Fallait voir le Griveaux quoi, bah je peux te dire que le Griveaux il envoyait du pâté hein. Donc je lui avais envoyé un petit message sur Twitter pour lui dire de monétiser son contenu. Vu qu'il avait perdu son salaire de député, peut-être qu'il voulait faire rentrer de l'argent quoi.
dans les caisses, hein. Et puis voilà, quoi. Mais il m'a jamais répondu, bizarrement, je sais pas pourquoi. Alors que j'étais très poli et tout, hein. Bizarre. Allez savoir, hein. Alors attendez, je vais aller voir si le Gondor. Bah non, techniquement, accès militaire, il a l'accès militaire. Hein. Hop là. Bon, on va aller voir les Variags. Les Variags sont juste là, c'est parfait. Bon, là on est aussi sous siège. Ah, il y a des trolls! Mais il n'y a pas de général. Une armée du Mordor. Oh, il y a des Morgul Chosen, des trolls, c'est une belle armée. Mais une armée du Mordor sans général. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur du tout. Donc, on va tempo. Il y a encore des grosses armées du Harad ici. Et on va continuer à travailler tout ça. On a des sacrées flottes de guerre qui arrivent. Et on va essayer de se débarrasser de cette flotte qui fait déjà la gueule. Et c'est pas mal. Tour suivant. On est à l'offensive, les gars. Ça fait plaisir. Fistion va défoncer Umbar, sans aucun doute, hein. Allez, le Gondor. Oh, regardez les stacks du Gondor, ça fait plaisir. C'est grâce à nous, ça, c'est grâce à Bibi que le Gondor, il a des telles armées. Là, on lui a laissé le temps de faire ça, en tenant Carandros. Et on a buté aussi un paquet de Nazgûl. Hein. On avait dû manger 3 Nazgûl, je crois, dont le roi sorcier dans le mar. C'est bon à prendre. Hein. Les trolls vont encore monter à l'échelle. Non, à Carandros, les assaillants sont buggés et ne montent pas aux échelles. Par contre, il n'y a que le bélier, ce qui est très pratique. Mais si, j'ai compris le jeu de mots d'Arlenius, mais c'est juste que je lui donne pas trop de grain à moudre pour pas qu'il se pense trop important. D'ailleurs, à propos de Bar, Arlenius, je te vois jouer avec tes bouts de bois, là. Tes godmichés géants sur Facebook. On t'a pas dit que Facebook, c'était ringard en 2023? Ah ouais, Arlenius, il aime bien les gros bouts de bois, hein. Poli, avec de l'huile et tout, reluisant. Chacun ses plaisirs. Oh non, mais l'autre, il fait le blocus de mon port, cette espèce de bâtard, là. Mais c'est une blague. D'où tu sors, toi? Putain, ça vient, je suis sûr. Attendez, hop. Ah ouais, 188 contre 188. Allez, ça passe. Oh, défaite. Génial. Je me suis fait péter la gueule par une flotte d'Umbar. Que du plaisir. Bon, pendant ce temps-là, il faut que je continue... À me barrer. Ok, flotte du Gondor, c'est bon. Dans 2 tours, je suis devant Umbar. Et la garnison d'Umbar a été allégée. Peut-être parce qu'on lui a pété la gueule. Hein. Pendant ce temps, la marche vers le nord. Je vais une petite watchtower pour le map control. Et on va aller attaquer. Ici, il peut pas renforcer. Hein. Il peut pas renforcer, on va aller faire le siège tranquillement. Information diplomatique, le Rune en guerre contre Ok, les Go... Ouh, bonne nouvelle, regardez. Gundabad est en guerre contre Amoria. Ça fait plaisir. Tiens donc, Argelenor, tu t'es fait attraper par mon automode. Il n'a pas aimé le bougre, figure-toi. Voilà. Eh, c'est le jeu. Je vais pas le taber juste pour valider ton com. Tu te démerdes. Tu te démerdes avec l'automode. Lin-Ir, on va installer un grand marché. Par contre, attendez, pendant ce temps... Oh, de toute façon, je peux rien faire à Carandros. J'ai pas le contrôle du truc. On va continuer à investir dans l'économie, même si ça me coûte... Là, ça me coûte cher. Hein. J'ai 2 stacks sur le terrain et on est à l'offensive. J'ai rongé mon frein quasiment. Ouh, Amon est-il qui va pouvoir être upgradé au tour suivant. C'est une bonne nouvelle. Allez, hop, c'est parti. Est-ce que les Nazgûl sont nus en fellation? Moi, je sais pas, je leur ai pas demandé, hein. Je suis trop occupé à niquer ta mère! Pardon. Je m'emporte. Des commentaires de merde, Arlenius. Tarnost. Putain, des sacrées armées du Gondor, je crois. Ah, visiblement, Fellation n'est pas bloqué par mon... Fellation n'est pas bloqué par mon automode.
Il y a beaucoup d'injustice avec ce bot, ah bah ouais, hein. Surtout que je lui ai dit de cibler ça de certaines personnes. Hein. Tous les gens avec des pseudos un peu louches, vous voyez, un peu trop louches, ou les pseudos limite toxiques, vous voyez, le monocle de Pépé, la poutrelle de cheval, tout ça, ils sont sélectionnés, vous voyez, par l'automode. Femme de petite vertu, ça passe. Coureuse de rempart, ça devrait passer aussi. La perceuse du voisin qui a son émote, hein, à lui, hein. La perceuse du voisin, il a une émote, il a une émote dynamique. Oh non, mais c'est pas possible, Ardunaïmo ! Non, mais il arrête pas de m'attaquer, le machin, là. Il m'envoie un stack tous les deux tours. Comment il sort autant de troupes ? Il a que trois putains de villes. Il spam. Vous vous rendez compte de spam avec seulement trois villes ? Bourgandine, ça passe. Bah, visiblement, non. Misogynie. Eh ? Ça, vous le verrez pas souvent avec l'IA. Imladris a repris Eregion. Eh ben non, ça passe pas à Gourgandine, les losers. Arlenus, comme par hasard, toujours dans les mauvais coups. Misogynie. En même temps, je l'ai toujours su, Arlenus. Eh, on va aller voir ça. Tail s'effondre. On va aller voir. Attends, mais c'est très rare de voir l'IA récupérer Eregion, mais putain. Les elfes qui ont repris Ostiendil, Bruinos, Zakala, Kames Brin, Goblinton. Mais c'est quoi ces elfes? Ils ont tout perdu là-bas. Ils se sont fait péter la gueule. Mais ils sont monstrueux, ils ont refait Eregion. Oh, c'est incroyable. Incroyable les elfes. Et avec des putains de généraux, ça rigole pas. Hein. Écoutez, c'est cool hein, d'avoir au moins... Et oubliez pas que pendant ce temps, Glyndabad est en guerre contre des gobelins. Donc ça profite aux elfes. On a encore des alliés. Alors, les Easterling sont en guerre contre Dol Guldur. Bonne nouvelle. Le Mordor a cassé son alliance avec les Runes. Oh oui! Les factions du mal vont se foutre sur la gueule. Oh, ça, c'est génial. Hein. On a une trêve entre Lysengar et Enyedwaes. Écoutez, ça fait nos affaires, tout ça. Ça fait nos affaires, tout ça. Nous, pendant ce temps, on va continuer à bosser. Hein. On lâche rien. Direction Umbar. Voilà. Par contre, là, j'avais joué au con. J'avais mon armée à bord. J'aurais pu perdre mon armée, bêtement. On va recompléter la flotte. Voilà. Bon. Il est temps de faire le siège là-haut. Oh, il s'est barré de la ville, le con. Oh, le con, il s'est barré de la ville. Hop. Il y a un monde où ça passe. Hein. Il y a un monde où ça passe. Est-ce que son général est dedans? Oh, son général est pas dedans. On va prendre la ville au tour prochain. On va faire le gros bourrin et on va prendre ça d'assaut. Ici, je suis en def. Dans un tour, je débarque à Umbar. Et on va pouvoir dépenser un petit peu d'argent, continuer à investir. On peut même commencer à recompléter les troupes. Knights Lodging. Ouh, Talon Knight. Ouh là 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 là. Ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse au plus haut point. Tous ces bâtiments là. Amon et Chill. Je vais mettre la ville. Écoutez, c'est ric-rac. Par contre, là, il commence à m'inquiéter à pas m'attaquer. Hein. Ça commence à m'inquiéter à ce qu'il m'attaque pas parce que j'ai que 8 tours. Il y a du Nazgûl de retour. À un moment, je vais peut-être la rendre... Si je vois qu'il attaque pas, possiblement, je vais la rendre au Gondor et je vais aller prendre... Je vais la rendre au Gondor pour aller prendre Osgiliath. D'accord ? Non mais Arlenus, arrête de jouer, sois pas débile et arrête de jouer avec mon automode, sois pas con, c'est... Il y a toujours des gens assez débiles, tu sais. Arlenus, c'est ce genre de personne, tu vois. Typique. Il y a pas le Gondor qui aide, je pense pas, pas sur cette carte. T'as assez de culture, t'inquiète, la culture, on va la travailler. On va faire les bâtiments qui vont bien. Oh, les stacks du Gondor, la quantité de troupes du Gondor, c'est un truc de fou. Hein. Regardez les armées du Gondor, c'est beau. Clairement, c'est pas un vassal du Gondor. Bah, je suis un allié du Gondor. Eh, le vassal, il est venu lui sauver la vie.
Je lui ai sauvé le cul au Gondor. Je lui ai rendu Minas Tirith, Kerandros. Ça va, je suis plus qu'un vassal maintenant. Alors, est-ce que le Mordor va attaquer? Allez, attaque! Il attaque! Est-ce que... Vous savez quoi? Je vais faire la bataille. Putain, l'armée Kali. Pardon! Hologai! Non, mais vous avez vu? Hologai! Troll! Deux Morgul Chosen! Deux volontés de Sauron! Des unités! Qu'est-ce que c'est que cette armée de zinzin? Et heureusement qu'il n'y a pas de Nazgûl! Putain, c'est une armée de late game, il manquerait plus que des grandes bêtes! Et on serait bon! Allez, on va défendre, hein. Je vais lui foutre un mur de phalange, et on va taper dans le tas, et... J'ai même pas de javelinier, rien. Et j'ai même pas encore accès aux garnisons. Ah bah, on va faire ta... Voilà. Hein, et on va faire une ligne de putain de phalange. Hein. On va faire une ligne de phalange. Sauf que... En face, il y a que du lourd. J'ai pas beaucoup d'anti-armure. Cette bataille va être compliquée. Hein. Mais les unités un peu plus quali. Mon général. Là, j'aurai une autre ligne de phalange. On va venir protéger les... Comme ça. Puis on va engager les troupes au fur et à mesure et on va serrer les fesses parce que je suis dans la merde. C'est très très quali ce qu'il y a en face. On espère que le moral va s'effondrer. Il y a peut-être un monde où son moral va tomber assez vite. Et on va essayer de jouer autour de ça. Voici la défense. Voici la défense. Hein? Merde, j'ai oublié quelqu'un. Allez, cassez-vous, les losers là. Putain! Hologai, que de du T3, Sauron's Will, T2, Uruk Noir, c'est Albardier Uruk, ça c'est du Clodo, ça c'est du T2, c'est très impressionnant. Où sont les trolls? Sous-scout. Ah, les trolls sont là. Ok, bon bah c'est une sacrée armée du Mordor qui nous attaque. Quelle armée très impressionnante. Et encore j'ai la chance de pas avoir de Nazgûl en face. Donc ça, potentiellement, même le T3 peut vite fuir si le moral tombe vite. Ce qu'on va essayer de faire. Ouais, vous comprenez que j'ai une armée de T1. Son armée est bien plus qualitative que la mienne. Hein. Ça va se faire tasser la crotte. Je pense, oui, potentiellement, que je vais prendre beaucoup de pertes. Mais c'est pas grave. Je peux me permettre. Au pire, je rendrai au Gondor. Si je vois que j'ai pris trop de pertes, je rendrai la ville au Gondor. Allez, on s'abatte. Feu à volonté. C'est parti. Tous mes archers. Le fait déjà que j'ai tenu Kerandros aussi longtemps. Allez, on s'abatte. Oh, les Hologai. Les Hologai. Oh, ils vont me faire très très mal, les Hologai. Hein. C'est terrifiant. C'est terrifiant d'affronter les Hologai. Vous avez vu ça? L'unité a cessé d'exister. Allez. On va commencer à tirer dans le tas. Allez, j'ai que du T1, j'ai que du... Oh, les trolls qui arrivent. J'ai que du T1, forcément. Bon, allez. Non, mais les Hologai, ils ont pris aucune perte. Hein. Ça va tenir longtemps. Hein. J'ai pas de perse armure. J'ai pas une armée qui est faite pour affronter ça. Genre, j'ai vraiment pas. Non, mais les mecs, ils passent en mode YOLO. Oh, les trolls aussi qui arrivent. Ça rigole pas le Mordor. Hein. Ça rigole pas le Mordor. Hein. C'est déter. Hein. Au niveau des pertes, je lui fais mal. Je lui fais très très mal. Grâce aux archers. Là, il y a une kill zone superbe. Et mes phalanges tiennent la ligne. Je sais pas pour combien de temps avec les trolls, mais ça tient. Oh là 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 là. Et là-bas, les... Okay, les Hologai ont pas d'infanterie de support. Y'a pas un Hologai qui est tombé. Hein. Ah si, un Hologai. Un premier. Allez, on va commencer à... On va envoyer la avant-garde. Ici. On va envoyer des renforts.
On va aller attaquer les trolls. Les trolls de base sont bien moins tanky. Je crois que le général est avec le troll. Je crois que le général est dans les trolls, 13. Bon, les hologas, ça tombe, plus que 8. Il m'aura fait mal, mais ils sont encerclés. Ma ligne tient. Il y a déjà un troll qui est tombé. Mes archers sont en train de s'abattre par derrière. Allez, il y a beaucoup de T3 là-dedans. Hein. Ça va être dur à tomber le T3. Les hologas, ils sont plus que 7. Ça tombe. Il y a tous les trolls saignes là. Oh là là, mais regardez ça! La quantité d'archers! Allez, on pousse dans le T2 là. Au calbardier de merde. Mes phalanges se sont faites éclater. Oh là 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 là, allez, au corps à corps. Je vais engager des réserves sur les flancs là. On va commencer à... J'ai plus de réserves. J'aurai mon général, mais j'ai... Là, on pousse avec tout ce qu'on a. Je vais retirer ma avant-garde. Elle a fait le boulot. Là, on va venir attaquer les archers là-haut. Et on va commencer à venir encercler ces armées. Rappelez-vous qu'ils n'ont pas beaucoup de morale. Plus la bataille dure. Allez. Oh, il y a encore les hologas qui sont toujours là. Mais tuez-les. T'as les coups de pied qu'il met au mec. Oh. C'est pas un ballon de foot là, mais T2. Bam. La coup de sabbat. Oh, bah là, il me tue le one shot direct. Hein. Il le one shot direct. Ah là, Legolas dans le tas, là, ça serait indécemment fort. Allez, on attaque. Là, je vais contourner avec des troupes. Je suis en train de commencer l'encerclement. À un moment, le moral va tomber. Il y a du jaune, on a vu du jaune, c'est bon signe. Allez. Non. T'as dans le tas, t'as bien au fond là. Voilà. Ils ont déjà pris 50% de perte. Hein. On la gagne cette bataille, hein. On la main. Allez. On va continuer à encercler. Putain, je suis surpris qu'ils tiennent aussi bien sans Nazgûl. Hein. Je pense que c'est l'effet de masse. Plus vous avez de troupes à proximité, plus elles s'encouragent entre elles. Mais s'il y en a une qui fuit, quand ça va lâcher, ça va faire mal. Il y a encore des trolls. Hein. Oh là 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 là, la bataille! J'ai vu, il y a des unités dans le rouge! Il y a des unités dans le rouge! Il a pris 62% de perte. Et il y a toujours des trolls. Hein. 3 trolls à Nologai. C'est con que j'ai pas tué le capitaine. S'il n'y avait plus le capitaine. Oh les phalanges. Qu'est-ce que c'est fort les phalanges dans la marotte. Quand ça pousse, c'est inarrêtable. Et dites-vous, mes mecs ont des armures d'or hein. J'ai les T3 d'armure hein. Je crois que ça fuit. Non, ça fuit pas. Non mais il reste que les T3. Ça fuit pas. Allez là, bonne garde. Pousse. Et ces putains de trolls qui sont toujours vivants. Si seulement j'avais réussi à tuer le général. Si seulement j'étais parvenu à tuer le général. J'ai pas réussi. Allez, on va même pouvoir accélérer parce que je pense qu'on est pas mal. Éventuellement, mon général. Ah, oh, ça fuit, ça y est. Ça y est, voilà. Donc c'est les T1 qui ont fui en premier. Il y a encore des unités là-bas. C'est quoi? T2. T3, putain, il y a des bonnes unités encore derrière. On va sortir. Là, on les mange. Hein. Une fois que le général. Non, mais le général, j'en peux plus des trolls. Hein. Allez, chopez-le! Ça fuit. Regardez les prisonniers, ça monte! Hein. Voilà!
sont bien battus. Hein. Je pensais qu'ils fuiraient avant. Je pensais vraiment qu'ils auraient fui avant. On fait quand même des prisonniers. Mais on exécutera tout. De toute façon, Sauron, c'est pas le genre. Sauron n'est pas trop le genre à faire des prisonniers, quoi qu'il arrive. À faire des trucs partout. Sauron paye pas les rançons. C'est pas le genre de la maison. Ouais, putain, il y a le général qui meurt tout à la fin. Tout à la fin. Il aurait pas pu se prendre une flèche dès le début là. Ça nous aurait fait gagner pas mal de temps. Bon, attendez, il y a encore des renforts qui arrivent. Oh, les phalanges ont pris des pertes cataclysmiques. J'ai pris quand même des pertes. Hein. 30% de pertes dans une armée qui faisait déjà la gueule. Allez, ma cavalerie. Bon. Il y a les clodos là qui vont revenir. Ok, ils arrivent. Voilà. Hop, 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 tu laisses partir. Ah. Bon, allez, en demi-cycle, on s'en tape. Allez. On la prend cette petite victoire. Voilà. Allez, on charge. On les encercle. Ils ont perdu leur général. Très mauvais moral. On les fixe. On attaque. Allez. On laisse rien passer. Allez, dans le rouge, ça fuit déjà. Eh, les T3 qui fuient à 111, ça c'est le problème du Mordor. Vous avez des incroyables unités de CAC, mais elles fuient à 113 quoi. Parce que quand le moral devient critique, T3 ou pas T3, ça va fuir. C'est un des problèmes du Mordor. Quand il n'y a pas de Nazgûl pour tenir la boutique, ça fuit très vite. Ah, c'est quand même une. Surtout que ça, c'est une armée de top tier. Et on fait de l'XP aussi, hein. Ça c'est toujours bon à prendre. Voilà, bon. On va pas tout poursuivre. Mission accomplie, belle def. Très belle def, on la prend. Je peux te dire comme ça longtemps. Mais pas trop. J'ai des garnisons là, normalement je pense que j'ai déjà fini mes garnisons. Donc je vais commencer à merger mes unités, à les mettre ensemble, pour avoir accès au moins deux unités à la garnison. Et on va peut-être même faire une garnison T3 s'il le faut. Hein. On exécute. Hein. Allez hop. Ah ouais, regardez la gueule de Kerandos. Ça vient. M'attaque pas. Yes, m'attaque pas. Oh, il m'attaque pas. J'ai un tour de répit. J'ai un petit tour de répit. Tu peux pas sortir plus d'espions. Le problème, c'est que mes espions... Le problème de Kerandos, c'est que je suis très loin de mes bases logistiques. Et mes espions sont déjà dans le sud pour changer la culture. Je peux pas, d'un claquement de doigts, téléporter des mecs à Kerandos, vois-tu. Ouais, t'inquiète, tic-tac. Je connais, ça va. Oh. Je vais prendre cher là. Ouf. Oh, je me suis fait casser la gueule par la flotte d'Ardunheim. Ça fait très mal. Il attaque pas? Ah si, il fait le siège. Pendant ce temps, je passe à l'offensive. Tac. Tac. Je me barre. Ici, il faut que j'aille réparer ma flotte. Hein. C'est un désastre. Alors là, j'ai une autre flotte de prête. Et là... Est-ce que j'irai pas juste là? Est-ce que je peux la recompléter? Je peux la recompléter, magnifique. Ok, tous. Je vais la tenter en auto-battle, d'accord. Même s'il y a l'armée de renfort, ça se tente en auto-battle. On va voir. Non.
on va continuer à faire le siège. Et on va le bouffer comme ça. On va le bouffer à l'usure. Tranquillement. Fine Gobel. On va continuer à recompléter les pertes. Voilà. Encore une... Non, mais c'est pas possible. Putain, mais des Arpharazon Faithful! Délite le machin là. Ici, oh là 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 là, les merch en wharf, les shipwrights, les bâtiments éco qu'il y a, c'est dingue. J'ai pas encore commencé à boomer au niveau économique, hein. Il y a... Le potentiel est encore énorme hein, de Dolamrot. Hein. Edeland, on va mettre armure numénoréenne, pas tout de suite. Je vais aller à Gobelt of Alas et je vais installer des routes. C'est parti. 8400 d'income. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié Kerandros. Et donc, normalement, Kerandros, j'ai accès à une garnison. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux unités. Voilà. Ah, bah d'accord. Le petit misclic. Le petit misclic. C'est pas grave. Je vais pouvoir recompléter tout ça au moins. J'aurai accès à la garnison. Et bah. L'école, ouais, la culture ça avance, tout ce qu'on met sûrement. Et là, normalement, à Gobel Tolfalas, bah, on va mettre un blacksmith, un forgeron. 8300 d'income. Elle devient quoi la fête de si tu prends une barre et qu'elle a plus de port? Bonne question, Sodan, j'en sais absolument rien. Je pense qu'elle est déplacée à côté. Ça serait le choix logique. Tour suivant. Tu aurais pu attaquer l'armée en dehors de la ville. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire la bataille, en fait. Je suis pas pressé, là-haut. Surtout qu'après, je vais rendre la ville au Variag. Donc, je vais prendre mon temps. Je vais faire des pertes d'attrition. Comme ça, si l'armée que j'ai là prend pas trop de pertes, je pourrais l'envoyer dans le sud. Et je pourrais l'envoyer attaquer une autre ville du Harad pour la rendre au Variag. Oh, regardez les stacks du Gondor. Je sais pas où il va ce connard, mais... Oh, où tu vas? Où tu vas? Putain, l'IA qui est conne, putain, mais... Avec tout ce qu'il a, il pourrait traverser l'Anduin, là, mettre des claques, mais non. C'est pour ça que j'ai envie de lui rendre Kerandros à un moment, hein. Pour qu'il aille se balader de notre côté de l'Anduin et que moi j'aurais bien aimé aller attaquer. J'aurais bien aimé essayer d'aller attaquer Osgiliath. Oh là là, j'ai très très peur. À un moment, il va me tomber dessus le Mordor. Il peut pas laisser Kerandros comme ça. Oh la vache, il va pas. Premier Nazgûl, deuxième Nazgûl. Putain, il me laisse tranquille! Il me laisse tranquille! Il me laisse tranquille! Il doit avoir pitié de moi. Il doit voir l'état de mes troupes et il se dit non, c'est bon. Une prochaine fois. Ok. Ben oui, c'est pour ça que j'ai pas fait l'autorisolve à Kerandros. Dès que vous avez des trolls, des hologuys, vous pouvez oublier les autorisolves. Alors, Ardunheim. Il attaque. Est-ce que ça passerait pas en auto-battle? Ça, par contre... Par contre, attention, hein, si je perds Fistion, si je perds un général ou Fistion, victoire claire. Allez. Oh, j'ai cru que j'avais perdu Fistion. Je me préparais à pas être content du tout, hein. Voilà. Allez. On va recompléter les pertes. Le leader des Rebor est mort. Oh, oh, un Nazgûl envoyé en Mordor. Moria sous siège. Nouvelle mission, Umbar. C'est en cours. Nous commençons le siège d'Umbar. C'est pas une armée top tier que j'ai, mais elle va faire du boulot. On va recompléter à Gobel Mirland. Hop, 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 voilà. La flotte est recomplétée. Il est temps de passer à l'offensive contre les bateaux. Ouh, regardez qui est là. Il y a une armée à bord. Oh putain.
Alors toi, mon cochon, hop. Par où il est... Ou par où il est parti, vous pensez? La quantité de bateaux... Ah la vache, il a une énorme armée à bord. Là, comment il fait pour avoir autant de bateaux? Oh, il est là. Il est là, mais comment il fait pour avoir autant de bateaux, autant d'armées dans ces machins? J'ai le droit de demander quand même, non? Vous avez vu la puissance de feu qu'il a? Non, tu fais pas un tongue de feu pour ça. Ça s'appelle un peu de la triche, non? Bon, là, le siège, on continue. Je vais aller faire un tour à Kerandros. Continuer. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mercenaires dans le coin? Est-ce que je peux sortir de Kerandros? Je suis même pas sûr. Si? Il n'y a pas de mercenaires. Et là? Il n'y a pas de mercenaires. C'est fort dommage. C'est pas grave. Au moins, là, on a une sacrée garnison. C'est en train de recompléter. On aura des unités bientôt. On va continuer économiquement à travailler. Oh, les murs, c'est parti. Edeland. Il n'y a plus grand-chose à faire ici. Métrast. Royal Hall. Voilà. Et on construit partout des bâtiments. Écoutez, on est pas mal. Hein. Ah, non. Ici, on a oublié. On va mettre des... Ouais, là, c'est le Harad. Ils étaient un peu crasseux. On va leur mettre des bains publics. Hein. Il est temps de leur faire découvrir des choses, des raffinements. Voilà. Tour suivant. Non, mais la quantité de flotte qu'il a, le Harad, c'est indécent. T'as une armée dans ta flotte? Ouais, je sais. C'est mon armée de renfort que je garde, mais je pense pas que ma flotte va pas être coulée, en fait. Hein. C'est quand même des flottes élites, maintenant, que j'ai. Ah oui, on va les ramollir avec les plaisirs de la civilisation. Tu sais, l'huile... Les jeunes éphèbes au corps d'albâtre, les bains chauds, la moiteur des bains chauds, tout ça. On va leur faire découvrir, on va leur envoyer Fistion. Hein. On va leur envoyer Fistion. Oh, et Vini! Mais écoute, merci de passer de dire bonsoir, mec. C'est moi qui te remercie de prendre le temps de regarder le contenu, hein. Tout simplement. Hein. Merci beaucoup. Ah, Arlenus, il t'a tapé dans l'œil, Fistion, à défaut de t'avoir tapé dans autre chose, hein. Oh non, mais tu m'as attaqué avec tes clodos! Bon, écoutez, regardez la gueule de l'armée. Il va être accueilli, hein. Hey, ça fait de l'XP, c'est du kill facile, hein. Show yourself. Allez, casse-toi avec tes Nazgûl, là. On aura réussi à avoir un petit tour tranquille, on aura recomplété, mis des armures, on a une garnison, on va pas être mal à Kerandros. Pour prendre Kerandros, il va falloir se lever tôt, hein, même si j'ai quand même été sacrément affaibli, on est pas mal. Alors Ardunheim, une grande bête, oh, je serais tellement dans la merde. Oh putain, attendez, il y va? Ouh là là, la grande bataille de notre temps. La grande bataille de notre temps. C'est de l'élite, putain. C'est de l'élite. Ça, c'est... Ouais, il y a les... Et là, il y a du T3. Avec, eux me font peur, les Royal Knights. Il y a 50 Narur... J'ai envie de la tester parce que ça se tente en fait. Attends. 60 et 50? J'y vais, hein. Je la laisse pas passer. Hein. Là, il y a un monde où si je la gagne, je prends une barre. Ça se tente. Vous pouvez pas refuser la bataille. Ça se tente totalement. Je vais aller me foutre dans un coin de carte. Et je vais défendre. Oh la gueule du coin de carte, mais t'es sérieux? C'est quoi ces cartes de merde en contrebas là? Rien à foutre. Hein. Rien à foutre. Vous savez quoi? Qu'ils viennent me chercher, comme dit Manu. J'ai des grosses phalanges. J'ai des bons archers. J'ai une formation très défensive. J'ai quand même mes... J'ai une bonne armée.
J'ai dû épéister 2 T3. J'ai deux généraux. Eh, vous vous rappelez, c'était Harvey Dui, le tricurieux. Hein? C'était le tricurieux avec son mignon qui est là. J'ai du T1, de la petite garnison T1. Et il me manque des lanciers qui seront sur les flancs. Ok. On est peut-être que... Pas mal. Parfait. On va venir. On va le forcer à venir. On va prendre le feu. On va prendre le feu comme un grand garçon. Et on va le forcer à venir en bas. S'il veut la bagarre, qu'il vienne la chercher. Parce que je peux vous dire que j'ai de quoi faire. Et peut-être qu'avec ma cave, il a qu'une seule unité de cave. C'est ses 50... C'est 50 T3 là, qu'il faut que j'essaie d'éviter. Y'a quoi là-bas? Peut-être qu'avec mon... Oh, les balistes sont là-bas. Avec mon... Y'a aucune cave. Avec mon général, je vais aller me débarrasser des balistes. Je vais prendre mes généraux, je vais aller me débarrasser des balistes. Direct. Ça, c'est toute mon infanterie qui sera en deuxième ligne. J'ai une belle armée. Moi, je dis que ça se gagne, ça. Ça se gagne. Pas large. Mais il faut essayer. Hop. C'est une blague. Attendez. Oh les cons. Oh les cons. Oh, on tire pas. Non, trop tard, t'as pas le temps de tirer. Hein. T'as pas le droit de tirer. Hein. N'y pense même pas. Voilà. J'ai honte mais je prends. J'ai honte mais je prends. Allez, barrez-vous. Attends mais c'est du Azrael Warrior, allez, barrez-vous. Ah mais j'ai pas vu, attends mais j'ai fait une bêtise là moi. J'avais 5 phalanges. Ah non. J'avais 5 phalanges. Non mais pas... Putain de cavalerie de merde! Mec 2 et la cavalerie, ça me rendra fou! Allez, bouge ton boule! J'ai... Je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est de l'infanterie légère, putain! Ils sont même pas anti-cave! Fais chier! Merde! Voilà, merde! C'est absurde. Merde, et l'autre là? Allez, charge-moi ça. Comment je perds un général sur, de la, sur du léger? Je suis même pas en place, putain, je suis en panique là. Et merde. Ma cave, ok, ma cave là, elle nettoie ce qui reste de baliste et on est bon. Après, je vais essayer de réintégrer mes lignes. Parce que là, il y a une autre armée qui arrive et là, eux, rigolent pas. Allez, mange ça. Là, au moins. Voilà. Non, mais toi, va là. Et ma cavalerie, c'est bon. T'as mangé les. Allez, les balistes. Putain, mais j'ai perdu un général. Comment j'ai pu perdre un général comme ça? Se sont fait rattraper. Merci, Captain Obvious, qui se sont fait rattraper. Il a pas fait une crise cardiaque, non? Mais c'était de l'infanterie légère, bordel de merde! C'était de l'infanterie légère! Ah, c'est pas de ça que tu parlais, désolé. Je t'ai agressé, mais bon, j'ai le temps. Je vais chercher, là. Oh, regardez ce qu'on leur a mis sur la charge, aux corsaires! On les a éclatés! Allez, on se barre. On se barre, on va continuer à écumer l'arrière des lignes. On va venir aider la phalange. Bon, on est en place. On est en place, c'est bon. Il y a tout le reste qui va arriver. L'armée d'Umbar. Allez, barrez-vous. S'il vous plaît, barrez-vous. Non, mais la cavalerie, j'en peux plus. Oh, non, la Beruchel Watch.
Va taper la Bellutiel Watch. Grosse boue de merde. Allez, charge-le. Bam. Voilà, ça c'est une très très belle unité, la Bellutiel Watch. Si on peut faire des pertes. Voilà. Oh oui. Allez, barrez-vous. On va bien charger dans le dos, là. On va bien charger... Eh, putain. Oh, mes généraux. Oh, oh là, ok. Harvey Dui, le tricurieux, tu vas rentrer à la base. Tu rentres, comme ça. Oh là. Allez, barre-toi. Toi, de toute façon, tu sers plus à rien. Oh, arrête de me faire chier avec tes raccourcis, tic-tac, putain. J'en ai rien à péter. Tu vas pas apprendre un vieil âne à commencer à faire des trucs incroyables. Je suis trop vieux pour toutes tes conneries de raccourcis, là. Allez, on les savate. Oh non, mais attends, c'est une blague. Mon unité là, elle s'est pas accrochée. Ok. Voilà. Et toi, tu vas faire boucher le trou. Allez, ça tient. Maintenant, on temporise. On va essayer de faire du DPS. Au niveau des pertes, 12 à 14, c'est très serré. Bellutiel Watch. Il y a encore l'armée. Ça, c'est l'armée d'Ulbar qui arrive là. Regardez, ça, c'est les trucs d'élite. Ça rigole pas. Généraux. Deuxième général. Caval. Ah non. Il y a même de la cavalerie mercenaire du Harad. Mais putain. Quel enfer à affronter. C'est compliqué. Hein. Là, mes phalanges T1 sont pas faites pour affronter des troupes aussi qualitatives. Tellement qualitatives que je pourrais peut-être t'attendre. Je vais prendre ma avant-garde et certaines unités, on va venir flanquer ces infanteries. Parce que là, je prends des pertes, autant aller au contact. Voilà. Oh, ce que je prends ici, je me fais découper. Ouais, mais j'affronte des bonnes unités. Oh putain, j'aurais dû faire ça, ça c'est mon erreur. Et merde, ces renforts arrivent. Oh, c'est Zazrael Marines. Allez, on va venir flanquer tout ce petit monde. On va élargir la ligne de front. Voilà. Et là, on va venir attaquer dans le dos tant qu'on peut. Et là, on va aller intercepter les Marines. Voilà. Allez. Oh, les javelots. Ouh, les javelots sur le flanc de mes. Ouf. Par contre, là, ils prend cher. Allez, la petite charge. Oh, elle est bien la charge. Hop, chope-les avec l'anti-cave. Voilà. Ça fuit, j'ai cru que ça fuyait, ça fuit que dalle. Par contre, on a une bonne prise de fight là. Voilà. Magnifique. Oh là là, regardez tout ce qui arrive. Il y a du beau. Oh là 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 là, attends, mes troupes font n'importe quoi. On va engager des réserves sur le flanc. Oh là, je suis peut-être un peu exposé. Oh, c'est sa cave lourde. Ouh là là, eux me font très très peur. Ok, ici on a gagné. Je vais essayer. Oh, je sais pas si je vais essayer de rentrer. Il a des troupes dans le rouge. Hein. Il a des troupes dans le rouge. Hein. Au niveau moral, ça, on tente pas mal.
Au niveau des pertes, ça donne quoi? 30 à 29, c'est super serré. C'est extrêmement serré, je vais envoyer mes anti-caves aider là-bas. Allez, un général ennemi en moi! Ça, c'est bon pour son... C'est bon, ça, pour son moral. Je suis pas le seul à avoir mes généraux qui meurent comme des merdes. Allez, on va attaquer. On va attaquer. Ici, ça tient. Oh, j'ai des troupes qui fuient. Oh, mes pauvres infanteries se sont fait découper. Et là, on va aller attaquer le général. Oh, ça tombe, le général. Allez, anti-cave. C'est parti. Anti-cave T2. Face à sa cave T3. Là, il... Oh là là, il a des troupes qui fuient. Oh, ça fuit à 30! On va continuer à... Ouais, on va venir flanquer. On va venir attaquer. Je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer. On va attaquer. Hein. On va attaquer. Il y a un trou dans le dispositif. On va l'exploiter. Hein. Il y a l'odeur du sang, les gars. 35 à 35. C'est serré. Et j'ai de la qualité. Hein. Allez, ici, on est en train de le submerger. Là, on va s'infiltrer. J'engage mes bonnes infanteries. Allez, on pousse. Hein. On pousse. Oh là là, ça c'est pas de l'anti-cave. Oh, je vais me faire découper. Aïe 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 aïe. Oh, ma avant-garde. Non. C'est terrifiant de la perte comme ça. Une charge. En une charge, il m'a mangé ma avant-garde. C'est terrible. Par contre, là, il y a un trou pour ma cave. Je vais amener mon général derrière. Je vais amener mes archers. Mes archers ont plus de flèches. On va aller au cac. Hein. On envoie les archers au cac. J'ai encore des flèches. Oh là là, il y a le... Oh non, la Naru. Oh. Non mais t'es sérieux, les lanciers, ils sont toujours là. Les lanciers sont toujours là. Je sais pas ce que ça donne au niveau du combat. Je sais pas trop ce que ça donne. Ça va du tout. Aïe aïe aïe. Les lanciers. Au niveau des pertes, c'est compliqué. Hein. 48 à 46. Aïe aïe aïe. Oh les lanciers. Je vais envoyer mon général me débarrasser des lanciers. Là, on va continuer à charger dans les corsaires. Eh, j'en peux plus de ces Royal Knights. Hein. Ça tombe. Allez, mon général, Arvedui! Va me débarrasser de ces merdes. Ouais, regardez la petite charge. La petite charge. Les corsaires, ils ont pas un bon moral, ça peut tomber vite. Allez. Face à mes T2 là, je te découpe. Par toi. C'est bon, ici les lanciers, on va les croquer. Là, ma avant-garde. On va l'envoyer en renfort là-haut. Pour le moment, ça tient. Ici, il y a une brèche dans le dispositif. On va aller attaquer les archers, les crossbows. Là, il y a la Naru Household qui fait mal. J'ai une phalange qui a lâché. Oh là là, je suis attaqué dans le, oh, dans le dos, au secours. Merde, il faut que je vire mon général de là. Mon général, il y a Dante. Ok, il n'attaque pas. Oh putain, dans le dos, t'es sérieux? Attends, mais il a des troupes ici aussi. La ligne de front. Ok, là, tout a lâché chez lui. On va essayer de venir encercler ça. Au niveau des pertes, ça donne du 60 à 51. Je suis en train de perdre. Hein. Oh, mon général qui est au corps à corps. Ça fuit. Voilà, on a fait fuir deux unités. C'est parfait. Ça me débloque mon flanc là. Let's go. Je vais tenter une charge dans le dos de son général. Allez. Oh, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Allez, ils sont 27 dans l'unité là. Je vais essayer d'aller charger dans le dos ici. Oh non, mais la charge de mon général, putain. Je veux juste une bonne charge. Ça fuit. Il y a tout qui fuit là. Allez. Mon général fait une belle charge. Là, viens taper dans le dos. En fait, on essaie de taper les corsaires qui sont le point faible de son armée en termes de morale. Petite cassure dans le moral, ça ouvre des brèches. Là, c'est moi qui fuis. C'est moi qui fuis, ma milice a lâché.
Oh, et ça, son... ça... Non, mais où tu vas, mon général? Ok, ici, on a fait le ménage. On va venir encercler ça. Oh là 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 là, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Il reste 15 unités ici. Et j'arrive pas ici à... Allez, passe en dos. Attaque. Là, c'est encerclé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, l'infanterie là. L'infanterie moyenne, allez dans le jaune. Oh mais charge là, pas comme ça, fais une vraie charge. La cave lourde qui refuse de charger. Le désastre. Au niveau des pertes, on est à 75 à 66. Hein. Après, il reste beaucoup d'archers. Ça fuit, ça fuit. Là, j'ai une unité pleine de phalanges. Pars-toi, pars-toi, mon général. Pars-toi. Ne te fais pas attraper. Allez. La Naru a su... Hold. Ici, ça veut pas fuir. La avant-garde au contact. Là, 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 là. Allez, viens. Il leur reste... Allez, vas-y, vas-y. Viens dans mon anti-cave. Viens dans mon anti-cave. Allez. Boum. Ça va lui coûter cher. Et il charge pas. Je te déteste. Ouais, bah malheureusement, c'est pas une armée très quali que j'ai. Mais même sans avoir trop la quali. Non, mais il reste encore de ces merdes. Ils sont 4, mais va te faire bien mettre. Je sais pas si c'est gagnable. Malheureusement, il lui reste encore des T3. Et les T3 vont être très difficiles à gérer. Il lui reste ouais, beaucoup de T3. Et mais j'ai... J'arrive à aller... Il lui reste encore un général. Allez, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Est-ce que ça lâche? Ça lâche pas. Et il a encore beaucoup d'archers. Et ici, j'arrive pas à le faire fuir, malheureusement. Je prends trop de pertes à cause de ces archers. Et ça, c'est un gros souci. Allez, on tente une charge. Cette fois, elle va passer. Et lui... Oh non, mais on charge côte à côte. Incroyable, celle-là, elle passe. Allez, boum. Allez, allez, lâche, lâche, lâche. Lâche ça. Ça fuit. Oh, la Vegetal Watch. Allez. Un gros pâté de troupes ennemies qui fuit. On va continuer à attaquer avec la cave. Et à faire des pertes. Allez, la Vegetal Watch. On pousse. Voilà, ici, j'ai très très peur. Allez, ici. Les archers. Oh non, mais je me fais tuer pas. Oh, la... Non, c'est pas la Vegetal Watch qui fait comme ça, dommage. Allez, on jaune la Vegetal Watch. Chope là. Il y a beaucoup d'unités ennemies qui fuient. Hein. Oh non, par contre, il y a la Naru Household. Et eux vont être intuables. Eux vont être intuables, malheureusement. Oh là 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 là, c'est compliqué, hein. Ça fuit pas. Oh, et un rocher qui arrête ma charge, mais non. Un rocher. J'ai des unités qui fuient, je vais la perdre. Je vais la perdre. Il me manque un peu de Kali. C'est pas ce soir qu'on prendra un bar, malheureusement. On sera pas passé loin. Je vais replier mon général, je vais replier Arvedui. Malheureusement, j'y étais pas loin, j'en étais vraiment pas loin. 80% de pertes qu'on lui a mis. Et il va recompléter ça facile. J'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Là, je suis salé. Hein. Là, je suis très salé, mais je vois pas ce que je vais faire de plus. Pas perdre mon général au début, mais ça, c'est la faute à pas de chance. Try to write in English, man. You know English language? Try to write in correct English. I know it's not easy to write correct English in 2024. We
Moi l'idée que je pouvais pas attaquer au débarquement, j'avais plus de points de mouvement. Oh non, oh là 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 là, je me rends. Il me renvoie directement là. Dans le fort. Putain mais oh. Ah ouais d'accord. Vous avez vu où il m'a renvoyé? C'est beau. D'accord. J'avais plus de points de mouvement au débarquement. C'est pour ça que j'ai pas attaqué. Sinon j'aurais fait. Bon, on va essayer de se débarrasser de cette flotte là. Il y a des armées là-dedans, il faut qu'on s'en débarrasse. Allez. Oh mais on coule pas, mais... ici. Hop. Hop. On lui a coulé un bateau. On lui a coulé un bateau. On prend la victoire. Et là-haut, cette fois ça passe. Hein. Cette fois ça passe. Allez, un bateau de coulé. Voilà. Et en plus on prend du grade. Bon. Je me suis fait péter la gueule, non? Je me suis fait péter la gueule. Je propose qu'on se replie et qu'on complète. Hein. On va filer vers le nord. Et on va essayer d'aller recompléter là-haut. Ouh, ça par contre je vais le recruter. Un échec, mais fallait essayer. Bon, l'avantage c'est que j'ai beaucoup d'argent. On va pouvoir relever une armée. Hein, on va juste relever une armée. Et cette fois on va relever des troupes plus qualitatives. Où est mon armée? Voilà, eux là. Bon, eux, ils seront là pour l'expédition suivante. Et là, on va lever que du T2. Que de la avant-garde, des rangers. On va relever de la... Hop, 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 hop. Que du super quali, d'accord? Et ça, ça va être... On va retourner à Umbar. On va y retourner à Umbar. School, field of barrack. C'est parti. Hop, hop. Et on va rien lâcher, hein. On va rien lâcher. Ici, on va réparer tous les murs et les bâtiments. Et on a le temps de craquer 16. Bon, dans mon malheur, je fais 17 000 de thunes. Hein. Je peux faire tes T3 et Stala. Ouais. Ça va tourner un petit peu. Mais ouais, on pourra les faire bientôt. Prochainement, je pense. On fait 17 000 de thunes. Au niveau de thunes, on est bien. On est sous siège là-haut. Alors, il y a quoi dans cette armée? Ouh, il y a quand même des wards, des marksman. Et là, c'est bon. Bon, ça va venir la culture. Ça va aller le coup de tenter la descente sur Umbar. On y retournera. Putain, j'ai même pas réussi à tuer un des deux généraux. Je suis très très salé. Hein. Ça a pas dû jouer à grand chose. Hein. Bordel, cette bataille. Je pensais que j'allais la gagner. Hein. À un moment, ça allait bien. Et j'y ai cru, hein, une mort noble à tenir. Bon, je m'arrête là pour ce soir. Demain, 14h, pour ceux qui aiment les volcans, je ferai un petit live depuis l'éruption. Bon, je serai pas sur place, hein, mais je vous montrerai un peu tout ce qui se passe avec notre volcan, la ville de Grindavik qui serre les fesses, avec des gros champs de lave qui sont en train de se faire et tout. Donc, j'ai des très jolies photos et tout ça. Et en soirée, il y aura Rhesus qui sera là pour la suite du run avec Attila. Ostrogo Vandal. Bon allez, sur ce, passez une bonne fin de week-end, bonne soirée. Puis moi je vous dis à ciao ciao. Allez, c'est ça tout le monde, bye bye.